Jeannie Lucas et je vis mon confinement à Châteauneuf-de-Mazinque. Tous ceux qui viennent l'été ici connaissent la galerie, l'atelier où je présente des expositions chaque année. Il y a une quinzaine de jours, Jennifer Gill de la galerie Craft m'a demandé de faire un petit montage de la façon dont je vivais mon confinement. Les galeristes aujourd'hui, et a fortiori les artistes, sont un peu bousculés dans la continuité de leur exercice. Et donc dans ce temps très particulier et un peu suspendu, il m'a semblé judicieux de continuer de cette série sur les ciels. Ici, nous sommes dans une configuration de collines et de plaines. Je ne suis pas très familière des ciels où il y aurait trop de rouge ou d'orange. Et on se rend bien compte, même que dans la peinture, les peintres se sont essayés aux effets de la nature. Le soleil qui traverse les nuages, les couchers de soleil sublimes, c'est jamais, à mon sens, les meilleures peintures qui soient. Mes photographies sont dans cette recherche-là, davantage picturale. Pas forcément des effets spectaculaires de la nature. Bien sûr que parfois c'est le cas sur certaines photos, mais je cherche aussi la forme dans la photographie du ciel. Le dessin du nuage, la façon dont s'inscrit le soleil voilé, que je préfère, les strates, les différentes strates qui peuvent rappeler justement également mes peintures abstraites. Je cherche que soit visible la forme, en oubliant qu'on est dans une théâtralité de paysage exceptionnel avec un coucher de soleil. C'est pas complètement toujours, c'est pas ça que je cherche. Donc effectivement, comme on est devant la nature, il y a une figuration qui s'impose d'elle-même. Je photographie bien un ciel. Et c'est pas toujours évident d'être sur ce fil qui serait céleste. Donc ça, c'est plus radical effectivement que mes photographies. Tous les jours, je poste sur Facebook et conjoint à Instagram, à la fois montrer et à la fois suggérer quelque chose d'autre qui vous éloigne un petit peu de la représentation primaire. Voilà, c'est ma recherche et je dois reconnaître que dans ce confinement, j'y trouve un grand plaisir, parce que c'est très particulier ce qu'on vit et c'est également très particulier ce que les artistes et les galeristes vont vivre dans les mois qui viennent. Et la situation est tragique pour beaucoup, beaucoup de gens, mais les artistes et les galeristes font partie de tous ces gens. Et notre devenir était aussi incertain que notre définition d'artiste premier, et là particulièrement. J'espère avoir répondu un petit peu à ce qu'attendait Jennifer Gill de la galerie Craft à Tielfi, qui voulait mettre en ligne la façon dont ces artistes vivent et leur confinement et continuent leur création.